Oui, Chris, je viens de voir ta vidéo sur laquelle Lolo a fait une petite remarque concernant la raideur de ton poignet quand tu grattes les cordes. Alors, d'où vient ce problème? Il est très simple. Voilà de quoi il vient. Exactement, il vient de ça. C'est là que se situe ton problème. Je t'explique. Quand on joue avec un médiator, on s'installe dans un certain confort en fait. Hein. On n'a qu'à juste et le bout de plastique fait le reste. Moi, je vais t'expliquer comment tu peux corriger ça, donner un peu plus de souplesse au poignet. Au lieu d'utiliser le médiator, tu vas utiliser le médiator naturel, simple, pour faire le même mouvement avec deux doigts. Pouce majeur. Hein? Au plaisir des dames, appelé aussi. Bref. En fait, on l'utilise comme une pince. Tu vois la position? Une pince. Et je vais tout simplement faire mes descentes avec le majeur et mes remontées avec le pouce. Et regarde le mouvement de mon poignet. Je fais là aussi des va-et-vient. Mais si tu veux, mon poignet a une certaine rotation. Je n'ai plus affaire à gratter avec le bout de plastique qui assure les montées et les descentes. Là, je suis obligé de tourner mon poignet. Et j'ai une certaine souplesse. Donc, et après, ça va t'aider, bien sûr, pour tous les autres rythmes, les autres compasses, comme on dit. Et en plus, ce que tu peux faire, par exemple, sur certaines rythmiques où il faut faire des petites nuances, tu peux étouffer les cordes. C'est-à-dire que tu vas, par exemple. Tu vois ce tchac, tchac. En fait, quand tu descends avec ton majeur, tu vas venir avec cette partie-là. Tu vas venir bloquer tes cordes. Tu vois le mouvement? C'est juste sur la descente. Et après, tu remontes. Ça te permet de faire des petites nuances comme ça. Hein. Sur certains morceaux, c'est bien de pouvoir maîtriser l'accord, de ne pas le laisser sonner trop longtemps. Hein. On doit maîtriser son jeu. Voilà. Donc, le médiator, pour moi, zéro. Les doigts. Je fais exactement le même mouvement. Hein? Pas besoin de médiator. Et en plus, je peux étouffer les cordes et donner un peu plus comment dirais-je, de finesse dans mon jeu, tout simplement. Voilà. Au lieu de te le marquer, tout ça, que c'était assez compliqué, je préfère te le dire en image. Hasta luego.